Compte tenu de l'importance capitale de l'élevage au Niger, le MCC, à travers son volet PAPS du projet Communauté résiliente au climat, et en coopération avec la Banque mondiale, vise à améliorer la productivité de l'élevage. Pour cela, le projet restaure les tracés, les points d'eau, ainsi que la qualité de pâturage sur 4 couloirs de transhumance, afin que les éleveurs fassent vite et déplacent leur bétail plus efficacement. Le projet modernise également les marchés à bétail pour augmenter les revenus des éleveurs. L'ANSA Niger a financé totalement les campagnes de vaccination et équipé le LaboCell et le laboratoire régional pour plus de 5,2 milliards de francs CFA. Ceci représente un investissement à fort effet d'amélioration des revenus des éleveurs, car réduisant drastiquement les pertes du secteur. Un animal sain et un capital plus productif et une source de revenus plus élevée. Ce sont 43 localités de notre pays qui seront sillonnées. Il y aura, sur les 16 mois de la campagne, 2640 diffusions de spots, radio et télévision. L'objectif est de promouvoir la région des communautés aux différentes politiques nationales de santé animale, ainsi que les bonnes pratiques en la matière. Le cheptel nigérien est estimé à près de 52 millions de têtes en 2020, toutes espèces confondues. Et l'élevage se pratique sur des terres pâturables évaluées à 102 millions d'hectares, soit 45% du territoire national. C'est la composante la plus dynamique de l'économie nationale et porteuse de croissance du secteur primaire, avec une contribution des productions animales de près de 11% à la constitution du produit intérieur brut et 35% du PIB agricole.